Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Phylor et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 14 de notre série Le Campeur de l'Extrême sur Minecraft. Donc voilà, on s'était laissé la dernière fois, après avoir commencé la maison tout simplement. Et puis ouais, on avait fait déjà le devant. Ouais, on avait fait le devant plutôt que la maison, c'est assez bizarre. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, Jumper est toujours là. Du coup, on va continuer. Alors, je voulais faire un petit truc avant, devant. Voilà. Donc, normalement, vous entendrez plus de bruit de fantôme, tout ça. En fait, ça venait tout simplement de la grotte d'en dessous. Ça venait tout simplement de ça. Et du coup, c'est assez chiant. Puisque ça faisait pas mal de bruit. Du coup, j'ai été les buter. J'ai bien torché la grotte, donc normalement il ne devrait plus y avoir de problème. Il ne devrait plus trop y avoir de problème. Voilà, on ajoute un petit banc ici. Petite torche là. Là, là par exemple. Tac. Alors, ok, donc ça c'est bon. Déjà, l'entrée elle est à peu près finie. Bon, on va rajouter des trucs, des objets du mode, mais pour l'instant je veux dire. Par fini, voilà quoi. Pas. Comment dire? Avec les mêmes objets normaux de Minecraft, quoi, on va dire. Tout simplement. Donc j'ai toujours les trucs pour m'aider. Du coup. Alors. Bon, pas cette image-là. Pas cette image-là. Attendez 2 secondes, c'est que c'est un peu compliqué. Voilà cette image là. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Oh. Merci, au revoir. Et du coup, on va. Ouais, on va mettre des murs. Ok, donc lui, il a fait ça. Très bien. On va faire un truc de ce genre. Attendez. Est-ce que ça peut faire bien ça? Ça rend un peu classe, ça va. C'est pas la folie folie non plus, mais faut le mettre comme ça. Comme ça. Ok. Donc ça va me faire chier. Donc je sais tout simplement ce que je vais faire. Donc c'est tout simple. On va mettre. Bon, déjà on va pas faire. Enfin, on va faire des fenêtres, mais plus tard. Du coup, pour l'instant, on recouvre tout ça. On verra après. Va falloir un peu reboucher. Enfin, je veux dire mettre de la terre et tout. Pour que ça fasse un peu plus classe. Déjà, c'est pour voir si les bases vont bien se faire. Alors, ouais, plutôt pas mal comme ça. Du coup, je vais pas aller hyper vite. Si on va aller hyper vite.
Ça va ça. On va aller un peu plus vite parce que voilà quoi. Ça fait un petit peu de bruit, mais bon, ça devrait aller. J'en mets toujours un de trop quoi. Fuck. Je continue à monter en plus. Voilà, donc on va faire les murs tout simplement en cobble. Ça va rappeler un petit peu. Parce qu'il y a beaucoup de bois, donc si on met encore du bois, bon voilà quoi. À force de voir trop de bois, on est du bois, donc on devient arbre. Lol, non, je sais que. Non, mais à force d'avoir trop de bois, c'est un peu chiant. Ouais, tout simplement. Je pense que c'est comme ça ici. Hein. D'accord. Donc là, ça fait un truc du style. What the fuck, man? Ouais, donc ça va pas rendre pareil. Mais bon, c'est pas trop grave. Ça pourrait être pas mal. Par contre, ça je fais pas ça. Il me faut que tout soit comme ça du coup. Si on peut faire ça, je réfléchis à des trucs. Et mais ça veut dire qu'on agrandit là. Tant pis. Parce que c'est pas hyper grave. Suis pas visé en plus. Vous avez vu pareil que moi là. Je suis en train de tirer, je vais pas rien faire. Tac. Bon, c'est pas très passionnant, mais bon. Au moins, comme ça sera fait. Oh, oui. Ah merde. Tac. Plus que une. Plus que une, plus que une. Il bouffe de l'herbe. C'est possible? C'est dingue. Il vient de casser de l'herbe ou je sais pas quoi. C'est très très bien fait. J'espère que ça peut ne pas cramer. Enfin, ça crame pas les choses quoi. Non, sinon ça aurait déjà cramé le bois.
t'inquiète pas, je vais bientôt finir, j'arrive. Allez, bientôt là, j'ai pris le coup de main en plus. C'est génial avec cette armure qui fait jump plus haut. Trop switch. Ah. Voilà. Putain, il est en train de se faire bouffer le cheval à côté. Oui, désolé, deux fois. Tu vois, voilà. Je t'ai puni. T'as tapé mon pote, je t'ai puni, voilà. La punition, on va mettre en time 7 0 parce que là sinon on est un peu dans le caca. Très bien. Depuis quand j'ai rien fait avec le mec, donc cramé. Et toi, rentre pas en fait. Pas donner l'autorisation de rentrer en fait. Merci, au revoir. Oh putain. Alors toi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que... Bien sûr. Voilà. Crève. Merci, au revoir. Bon. Voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Puis lui, on le voit pas. D'accord, très bien. En fait, le pilier, on les voit carrément pas, quoi. Ça sinon. On va faire des trucs comme ça. Hein. Voilà, on peut faire un truc de ce style. Voilà, ça fait un peu plus classe. Et du coup, je sais pas de l'extérieur ça fait bien. Mais... tout cas, de l'intérieur ça fait quand même un peu mieux parce que des pierres. Voilà quoi. Moi, c'est des vrais piliers là que j'ai fait. Voilà. Nickel. C'est Bruno comme ça. Du coup, on va mettre la petite vitre. Donc, la petite vitre.
Ok. Comme ça. Donc là déjà on a placé, oui, ça c'est bon. Donc de ce côté-là. Je vais les placer un peu comme je veux, du coup, ce côté-là. Voilà, là il en faut une. D'accord, je fais des fenêtres au-dessus. Alors, ici vous avez une magnifique vue sur des pierres. Voilà, des pierres assez, assez géométriques, on va le dire. On va se le dire, mais bon. Ça reste des pierres, donc bon, fait par le savoir-faire d'un artisan, bien sûr, évidemment. Non, mais ça, donc. Bon, là, c'est pas hyper intéressant, du coup, on va faire une fenêtre de 4. Enfin, de 2, plutôt, de 2. Voilà. Ah non, j'ai envie de faire un truc. Attendez, je le fais de ce côté-là ou de l'autre? Ah, de ce côté-là, je le fais. Oh, j'ai envie de me faire une baie vitrée. Enfin, ouais. Un truc où on voit que ça, quoi. On voit que le paysage. Sur ce mur. De ce côté-là. Voilà. Voilà. Tout simplement magnifique. Magnifique. Si on fait ça là. Non, parce que là, non, j'aime pas. Personnellement, je n'aime pas. Donc, je préfère comme ça. Ah, c'est plus un peu mieux. Voilà. Donc là, on a une magnifique vue sur le dehors. Pareil. Parfait comme ça. Ouais. Ok, donc on a mis toutes les vitres déjà. Donc du coup, alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est chaud à faire, ouais. C'est hyper chaud à faire. J'ai pas envie de mettre de toit ici en fait.
J'aimerais que ça reste comme ça. Ça va rester comme ceci. Point, et comme ça, au moins je me complique pas la vie et je trouve ça un peu plus beau. Je trouve ça quand même un peu plus beau, mais bon. Enfin, un peu dégueulasse, mais au moins, bah, je sais pas. Moi, je préfère comme ça. Donc, je fais comme ça parce que j'ai envie, tout simplement. Et fuck la logique. Normalement, y a pas de logique. Mais franchement, là, ouais, je préfère comme ça. Donc, on va faire comme ça. Et du coup. Alors. Derrière. On va commencer du coup. Comme ça, je vais faire comme ça. Normalement, j'ai pas d'item. Ah, mais on va en mettre des trucs stylés. Ah, bon, on va en mettre des trucs hyper stylés. Je ne sais pas ce que c'est. On va se faire plaisir, c'est moi qui vous le dis. Alors, Lightbulb. Ah, Mia. Mia, mais c'est moche. Il y a des toits. Enfin, ouais, c'est ce que je regardais s'il y avait un toit. Mais c'est vraiment moche, donc on va pas prendre ça. Time 7-0. Donc là, sûrement quand vous verrez cette vidéo, je pars. Ouais, quand vous verrez cette vidéo, je serai pas parti, je partirai le lendemain. Ou si vous la regardez un jour qu'après qu'elle soit sortie, je serai parti. Donc ouais, je serai parti en vacances et je reviendrai. Attendez, là, comment on va faire? Comment on fait? Oh, les loups, ils attaquent les moutons, t'es sérieux? Voir si je fais comme ça. Bonjour. Lol. Il se téléporte. Bonjour. Ok. Putain, mais l'eau il bouffe tout en fait. Ok. Du coup, on va retourner à nos moutons. Voilà. Merci. Ouais, du coup, ici, comment on va faire?
du coup, on va l'arrêter ici. Va faire bien dégueulasse. C'est comme ça. On va faire comme ça. Alors, du coup... Je fais des petits fails, c'est normal. C'est un attaque jumper. Hein. Ouais, de toute façon, c'est tout ce que je regarde. Mais hé, hey, t'arrêtes de les défoncer, toi? Attends, j'ai plus de poisson, moi, après. Oh! Pour qui là? Ouais, c'est ça. Ouais. Viens, viens, viens. Oui, bien sûr. Voilà. Il se prend pour qui lui? On est le jour, il était pas encore transformé en humain? Non, mais oh! Il va me déforester là. Moi je veux des poissons ici, ça serait joli à regarder, ouais. Tac, nickel. Ouais, du coup j'étais en train de vous dire oui, je pars. Bah je pars quand vous regardez cette vidéo, je serai soit pas parti ou soit parti. Mais en tout cas. Sachez que quand j'en reviens, bah déjà pendant les vacances et tout ça, je vais réfléchir à des idées, que je, enfin des trucs que je pourrais faire, tout ça, vous voyez. Vidéo, des petites vidéos comme ça de temps en temps. J'ai déjà pas mal d'idées. J'en ai déjà quelques-unes. Mais je vais pas vous en parler tout de suite. Une qui, j'espère, va vraiment, vraiment bien vous plaire. Ça va être avec une invitée spéciale. Voilà, on verra. Je vous en dis pas plus. Ça sera sur un jeu bah, bien sympa qu'on va découvrir ensemble, tout simplement. Je vous en ai déjà dit trop, tu vois. En parlant comme ça, j'en dis déjà trop. Bref, j'ai prévu plein de petits trucs pour la rentrée qui vont être sympathiques, enfin pour la rentrée. Bon, quand je vais revenir, plutôt pas pour la rentrée, parce que pour le mois d'août, je veux dire. Donc déjà, il y aura les deux nouveaux let's play sur Batman Arkham Origins plus Lego The Hobbit, enfin le Hobbit. Il y aura déjà ces deux let's play, il y aura l'événement. Un événement dont je vous ai parlé sur Minecraft qui va bien avoir lieu, du coup, avec une vingtaine de personnes. J'ai trouvé mon coéquipier. On a choisi le nom d'équipe. Ils sont en plein préparatif, les admins. Ouais, franchement, il leur reste le début de la map à faire. Va falloir qu'on fasse l'introduction. Je pense, voyez, faire appel à un VFX et tout. Un designer pour l'intro ou qui fasse un truc stylé, tu vois. Bref, ouais, ça va venir vraiment au mois d'août, ça va venir début août. Du coup, vous aurez ça comme série, vous aurez les deux let's play, puis vous aurez bien évidemment d'autres vidéos, notamment sur Garry's Mod. Sur Garry's Mod, puisque j'ai acheté le jeu il y a pas trop longtemps. On s'est bien tapé des bars avec des potes. On est allé une après-midi, j'ai filmé toute l'après-midi. On a fait pas mal de mods quand même. Donc voilà, je vais vous proposer un petit, pas toute la vidéo en entière, mais vous voyez, je vais prendre les meilleurs moments et puis je vais vous faire un truc. Du coup, sur Garry's Mod, les plus drôles, ça va être beaucoup de montage, mais bon. On va voir ça. Parce que
qu'il faut tout réécouter et tout ça, ajouter des écritures, les musiques, tout ça, les écritures, ça vient comme ça, j'y réfléchis, je lance pas comme ça, et puis, enfin, j'écris pas n'importe quoi, tout simplement. Et puis voilà. Donc ouais, il y aura vraiment du Charisma, du MW2 qui va venir aussi au mois d'août, le jeu dont je voulais, un jeu où je vous ai parlé, plus un autre jeu dont je vous ai pas parlé, mais j'ai pas envie de vous en parler parce que sinon voilà. Ça sera deux nouveaux jeux si vous voulez savoir. Enfin, Garry's Mod aussi, c'est un nouveau jeu pour la chaîne, on va dire. Un nouveau jeu pour la chaîne. Après, vous, peut-être que vous connaissez tout, mais voilà. Enfin, il y aura une 2. Aura quoi d'autre? Il y aura du LOL. Non, pas de LOL, non, non. Non, en fait, LOL, ça me prend trop la tête, vous voyez. LOL, ça me prend vraiment trop la tête. Enfin, voilà, que c'est chiant. Je trouve ça assez chiant, du coup, bah. Ouais. Je pense pas qu'il va y avoir du LOL. Mais il va y avoir un nouveau jeu qui va le remplacer. Et beaucoup mieux que celui-ci. Je vous en parle pas plus. Je n'en dis pas plus. Oh shit. Non, comme si je faisais comme ça. Là, je vais pas très vite, mais bon, c'est chaud en fait avec les escaliers. Du coup, qui se mettent dans tous les sens, c'est assez chiant. C'est vraiment assez chiant parce que si par exemple je me mets comme ça et je fais ça, bah voilà quoi ce que ça fait. Bon, c'est assez chiant. Et c'est Minecraft. Minecraft, ça évolue en même temps que les joueurs. Et puis voilà. Notch, il fait ce qu'il a à faire. Il fait ce qu'il a envie de faire. Et puis, je comprends. Même s'il devrait ajouter beaucoup plus d'objets pour les maisons, pour décorer les maisons notamment. Mais ouais. Là, je suis en 1.6.4, donc après vous pouvez me dire oui, mais en 1.7.10 il a rajouté plein de nouveaux objets. Voilà, et ben excusez-moi, mais je suis pas toutes les versions. Voilà, je suis pas hyper accro, enfin, je suis pas à fond sur Minecraft. Vous voyez, c'est limite Minecraft. J'y vais presque que pour faire ma série, non. Alors, on va pas dire ça parce que je vais par exemple sur un serveur à mon pote dont je vous en parlerai peut-être pendant les vacances, je sais pas. Faudra que je voie avec mon pote. On a un projet à faire avec ce serveur. En fait, en fait, on a fait une map si vous voulez médiévale qui est hyper stylée. Vraiment, il y a un moulin, une arène de combat, un grand château, il y a des parcelles, enfin, il y a des maisons avec des terrains vides, des parcelles, une grande place avec une fontaine, une guillotine, enfin bref, il y a tout ce que vous voulez pour une médiévale. Il y a des hôtels de vente, tout ça. Voilà, on a fait ça. Et du coup, bah lui, il a réglé tous les plugins, donc il y a la monnaie, il y a les titres. Il y a plein de trucs, mais en fait le seul problème pour qu'on lance le serveur au public, on aimerait bien le lancer au public tout simplement. Comme ça, bah vous, donc ouais, vous, donc mes abonnés plus ses abonnés à lui, pourront jouer avec nous tout simplement. On est admin, on sera admin du serveur et tout ça. Donc le problème, voilà, c'est juste de trouver un hébergeur parce que les hébergeurs c'est payant. Nous on n'a pas d'argent à mettre là-dedans. Du coup, surtout moi, si je veux faire des let's play, faut que j'achète les jeux. Donc bon, voilà quoi. Tous les 2 mois, si je dois changer environ, vous voyez, si j'ai 15 euros par mois, c'est un peu la merde quoi. Et avec 30 euros, c'est un peu chaud de vous faire un jeu. Ouais, vous voyez, donc moi je peux pas me permettre de mettre de l'argent là-dedans, surtout que j'ai d'autres choses à acheter que des let's play, hein, j'ai pas, enfin, que des jeux pour les let's play, hein, réellement, si j'ai un jeu qui me fait envie, bah, je le ferai tout simplement, enfin, je l'achèterai, mais souvent les jeux que j'achète, je les fais quand même en vidéo, tout simplement, pas forcément en let's play, mais en vidéo. Franchement, bah, je vous ai presque tout fait, les jeux que j'ai, mais enfin,
j'en garde bien des... Je garde bien des secrets quand même. Ouais, ça pourrait être sympa. Du coup, ouais, notre problème, c'est pour trouver un hébergeur qui sont payants, donc 15 euros par mois. Non, c'est pas la peine. Et même si t'es moins, même si t'es 1 euro, on pourrait pas se le permettre, tout simplement. Du coup, bah, ce qu'on avait envie de faire, on a trouvé une idée, on a réfléchi longuement. On a réfléchi, et ce qu'on a trouvé le mieux à faire, c'est en fait de contacter un serveur, enfin genre de chercher des serveurs, plus ou moins roleplay, parce que nous, notre serveur, c'était à la base plus roleplay quand même. C'est-à-dire qu'il avait fait une map fébuïde où on pouvait casser les objets et hop, on les emmenait dans les objets, dans la map de base où il y a les parcelles, où il y a votre maison, donc vous achetez votre maison, tout ça. Donc si vous voulez mettre des matériaux dedans, faut aller dans le free build pour avoir des objets, parce qu'on peut pas casser dans la map normale, à part dans votre maison. Enfin bref, il y a plein d'autres trucs. Et du coup, ce qu'on voulait faire, c'est contacter un serveur et leur dire, bah voilà, nous on a une map gigantesque, enfin on a une map de ouf, sur le thème du médiéval, donc du Moyen Âge, on va dire. Donc c'est tout en bois et en pierre comme je suis en train de faire là un peu. D'ailleurs celle-là je l'ai pris dans le serveur. Donc ouais, je remercie Guéwen qui a fait cette maison. On va faire encore un. Ouais, je le mets un petit peu à côté et puis boum, ça me change. Donc on contacte un serveur, on leur dit voilà, nous on a une map médiévale. Vous avez votre serveur, bah on cherche un serveur quand même qui est un peu quand même, enfin déjà de peuple on va dire, donc c'est-à-dire une vingtaine de personnes déjà, enfin connectées tout le temps on va dire entre guillemets. Voilà, qui soit ouvert 24h sur 24, 7 jours sur 7. Voilà, nous, on leur dit, on a une map. Vous nous mettez admin sur cette map, enfin, vous la mettez sur votre serveur, cette map. Vous faites un portail pour y aller, ou un truc de genre, que les gens, comme ça, les gens puissent y aller, surtout les abonnés. Voilà. Là, on va faire comment? Comme ça. Voilà. Tout simplement. Donc, on leur dit, vous nous mettez admin sur notre map. Après, sur les autres maps de votre serveur, non, c'est pas obligé, on s'en fout, nous. Donc vous nous mettez admin comme ça, et comme ça au moins, paf, ça va bien, comme ça au moins, mettre ça, attends, on va mettre ça, oh bah, je l'avais déjà en plus. Ouais, on va plutôt mettre ça. Voilà. Vous nous mettez admin. Je me rappelle beaucoup, je sais. C'est assez chaud de se contrôler, sur se concentrer en même temps. Vous nous mettez admin. On gère notre map. On gère pas le serveur. On gère notre map à nous. Vous venez, bah, si vous voulez quand même, parce que c'est pas quand même votre serveur. Donc voilà, vous venez de temps en temps. Moi perso, je serais plus quelqu'un qui va organiser des événements, par exemple bah, faire une bataille dans l'arène et le gars va gagner tel combien d'argent ou une parcelle ou le château par exemple, puisqu'on fera plusieurs châteaux, je pense. Voilà, vous avez des HDV à votre disposition, vous pouvez acheter des objets si vous avez de l'argent. Du diamant par exemple ou autre. Voilà.
Ouais, je pense que ça sera plus comme ça. Après, Yann, ça sera plus. Donc, Warren, ça sera plus. C'est avec Warren qu'on veut faire ça. Ça sera plus administratif, s'il y a des problèmes et tout ça. Bon, lui, il va plutôt gérer ça. Voir s'il n'y a pas de bug, tout ça, je pense. Et puis voilà. Donc, voilà, on attend. Oh, motherfucker! Adieu. Tu fais péter ça, je te texte pour ta gueule. Pas. Il était dans le feu. Ah, ça crame les gens, d'accord. C'est bien de savoir. Hein. On sait jamais. Deux creepers dans la maison. On va mettre des lampes pour l'instant. Il changera après, mais. Ah, on peut les poser ici, très bien. Ah, d'accord, très bien aussi. Ça éclaire pas du tout en fait. J'en ai mis beaucoup, mais bon, au moins ça a empêché de faire spawn. Oui, jumper, j'arrive. Voilà. Donc, je trouve que ça fait quand même stylé là. Quand même assez stylé. On voit du pâté quand même. On voit du pâté, moi je trouve. Du coup, on est déjà à 42 minutes de vidéo. J'espère qu'en tout cas, vous avez compris mon explication. Tout simplement, on cherche un serveur pour gérer notre map à nous, qu'on fasse notre truc dessus. Que, ouais, par contre, faudrait qu'il y ait des plugins dessus, genre la monnaie, acheter des maisons, acheter des objets, private les coffres. Enfin, voilà. Après, on pourra vous dire d'en ajouter, hein. De toute façon, voilà, donc si vous connaissez quelqu'un qui peut faire ça pour nous, bah ça serait vraiment sympathique. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires ou alors contactez-moi par MP sur YouTube ou sur Skype ou tout ce que vous voulez. Voilà, ouais, mettez un commentaire. Voilà, hein, tout simplement. Donc en tout cas, déjà, on a fait pas mal de choses. On a bah, déjà fait les murs, le toit. Donc je pense que dans le dernier, enfin dans le prochain épisode, on va aménager la maison, tout simplement, parce que là il reste plus qu'à faire ça. Du coup j'espère que bah, vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter la vidéo justement pour savoir si... Enfin, si vous avez un serveur, si vous connaissez quelqu'un qui a un serveur comme ça, ou que vous-même vous possédez un serveur comme ça qui est hébergé, ben, n'hésitez pas dans les commentaires, partagez la vidéo sur Facebook et sur Twitter, et puis moi je vous dis à la prochaine, allez, ciao, bye tout le monde.